Sur Pléiade, une unité d'enseignement est généralement divisée en plusieurs séances. Chaque séance peut contenir un ou plusieurs documents qui sont des supports de cours de plusieurs types, vidéos, textes, images. Pour ajouter un document, commencez par cliquer sur l'UE que vous tutorez. Choisissez ensuite dans le menu déroulant la vue « Enseignant ». La liste des séances existantes apparaît au centre de la page. Cliquez sur le nom d'une séance, puis cliquez sur le lien « Ajouter un nouveau document ». Première étape, choisissez le type de document à ajouter, par exemple des documents PDF, PowerPoint, ZIP. Pour déposer un seul fichier, choisissez l'option « Support de cours ». Voici ce que visualisera ensuite l'auditeur. Pour ajouter un document qui comporte une liste de fichiers, choisissez l'option « Dépôt de fichiers ». L'auditeur visualisera la liste des supports de cours déposés. Pour renvoyer vers un site Internet, sélectionnez l'option « Lien Internet ». Voici ce que visualisera l'auditeur. Deuxième étape. Saisissez un titre pour ce document. Vous pouvez également ajouter des informations à destination des auditeurs, telles que des consignes de travail ou des objectifs pédagogiques. Troisième étape, déposez votre fichier sur Pléiade. Cliquez sur le bouton « Parcourir » pour sélectionner votre fichier, qui se trouve par exemple sur votre ordinateur. Dans le cas d'un lien vers un site Internet, il vous suffit de saisir l'adresse du site. Cliquez sur le bouton « Suivant ». Le document vient d'être créé.